Bonjour, chers apprenants. C'est le professeur Dokolo, une fois de plus, qui vient pour vous enseigner la philosophie. Aujourd'hui, nous allons amorcer l'étude du thème numéro 2, intitulé « Les rapports de l'homme avec le monde ». Conformément au programme d'enseignement de la philosophie en République du Congo, nous sommes donc au niveau du thème numéro 2. Bien avant cela, chers apprenants, permettez que je vous fasse part d'une anecdote. Un patriarche reçut donc ses enfants. Ces derniers vinrent à sa rencontre pour lui poser un problème, celui du patrimoine qu'il devait leur léguer. Chacun s'exprima, le patriarche écouta attentivement. En réponse à chacune des doléances de ses fils, le patriarche leur répondit. Point n'est besoin de s'inquiéter du patrimoine qui vous sera légué. Pour l'instant, travaillons d'abord. Le reste viendra après. Le reste s'en suivra. C'est pour dire, dans la vie, ce qui importe, c'est le travail. Tous les êtres travaillent. Les insectes travaillent. Les plantes travaillent, les animaux travaillent, tout comme les hommes. Mais la spécificité du travail humain part d'une faculté, laquelle, ça va se savoir. Lorsque nous parlons de la réalité, on y trouve des règnes. Le règne minier. Le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Dans l'exploitation de ce thème, l'étude portera sur le règne humain. Alors, que peut-on comprendre par les rapports de l'homme avec le monde? Nous avons donc deux notions qui sont mises en rapport, c'est-à-dire l'homme d'une part, le monde d'autre part. Bon, l'homme et le monde entretiennent des rapports. Et qu'est-ce qu'on entend par rapport? On entend par rapport les différents liens, les différentes relations que l'on peut établir entre deux entités. Pour le cas de notre thème, il est donc question d'étudier les différentes relations que l'on peut établir entre l'homme et le monde. Tout à l'heure, je parlais des quatre règnes que l'on trouve dans la réalité. Le règne humain a sa spécificité. Et c'est par cette spécificité qu'il entre en relation avec le monde. Dans les rapports qu'ils entretiennent,
c'est-à-dire l'homme et le monde. L'homme est perçu comme étant un sujet. Pour l'instant, nous disons simplement sujet. Et le monde renvoie premièrement à la nature. Comprenons par nature ici l'ensemble des objets et des phénomènes. Premier aspect de la notion monde. Le second aspect, le monde se comprend aussi comme étant la société. C'est-à-dire l'ensemble des individus. À la différence des trois règnes que sont le règne minier, le règne végétal et le règne animal, le règne humain se distingue radicalement. Et par cette distinction, l'homme a une double nature. La première nature, elle est biologique. Biologique. La seconde, elle est mentale. La nature biologique, la nature mentale. Voilà ce que l'on peut dire de l'homme dans son rapport avec le monde. Bien. L'exploitation de ce thème porte sur 6 étapes. Donc nous avons 6 étapes dans l'exploitation de ce thème. La première étape correspond à la définition de la conscience. La deuxième étape, elle correspond aux conceptions, de la conscience. La troisième, elle porte sur l'analyse des rapports à établir entre la conscience et le corps. Donc, les rapports conscience-corps. La quatrième étape porte sur les théories de l'inconscient. Théorie de l'inconscient. La cinquième étape elle porte sur les rapports à établir entre le moi et autrui. Rapport moi-autrui.
Et enfin, la dernière, c'est sur la connaissance. D'autrui. Voilà donc, chers apprenants, les six étapes constitutives de l'exploitation du thème numéro 2. La séance de ce jour porte sur la définition de la conscience. À la fin donc de cette séance portant sur la définition de la conscience, l'apprenant de la terminale doit être capable de définir, plutôt de donner au moins 3 des 4 définitions de la conscience à partir des explications du professeur. Le concept conscience. Le concept conscience, pour mieux le définir, il faut au préalable le subdiviser en 2 notions. Nous avons donc le terme con et le terme science. Con, qui signifie avec, et science qui signifie savoir. Cette subdivision du concept conscience nous ramène à la définition étymologique de la conscience. Le concept conscience est forgé à partir de 2 termes latins. Quels sont donc ces termes? Nous avons cum scientia. Premier terme, cum scientia. Second terme, cum sciri. Qu'est-ce qu'on entend par cum scientia? Cum scientia signifie accompagné de savoir. Accompagné de savoir. Accompagné de savoir. Et cum scire signifie savoir avec. Savoir avec. Finalement, lorsque nous définissons la conscience sur le plan étymologique, on s'aperçoit qu'il y a la notion de savoir qui revient. Tout comme la notion de conjonction exprimée par la préposition avec. À la lumière donc de cette approche étymologique, on peut prendre appui
sur la définition que nous donne le Larousse. Donc, d'après le Larousse, j'espère que vous avez pris note, chers apprenants, au fur et à mesure que le professeur est en train d'inscrire les notions au tableau, prenez le soin de les relever. Faites-le avec diligence. Nous prenons la définition que nous donne le Larousse, édition 2015. La conscience est la perception plus ou moins clair que chaque individu la conscience et la perception plus ou moins claire que chaque individu peut avoir de soi-même et du monde extérieur. Cette définition, vous la retrouverez dans le Larousse, édition 2015. Larousse, Voilà. À la lumière de la définition que nous donne Larousse de la conscience, il y a une notion qui ressort. La notion de perception. La perception. Perception de soi, perception du monde, perception de soi, perception du monde. Avec plus d'attention, on s'aperçoit que dans la définition même de la conscience que nous venons de relever, le thème ressort, les rapports de l'homme avec le monde. Mais allons progressivement. Qu'est-ce qu'on entend par perception? C'est l'intuition première ou la vue claire que l'on a de soi ou d'un objet. Donc, par rapport à la définition que nous donne le Larousse, nous pouvons dire que la conscience est la perception première que l'on a de son être, tout comme de l'être du monde. Étant une perception, c'est aussi une intuition première ou une vue claire.
sans intermédiaire que l'on a de soi en tant que sujet, tout comme du monde qui est devant nous. C'est pour dire que la conscience est la faculté dont est doté l'homme. N'oubliez pas qu'au départ, nous avons distingué quatre règnes. Et on ne parle de la conscience que dans le règne humain. Jamais on ne verra la conscience en train de errer dans la nature, entre les arbres, entre les insectes ou entre les animaux. Non. La conscience relève du règne humain. C'est donc la faculté dont l'homme est exclusivement doté. Et c'est à ce niveau que l'homme se distingue radicalement des autres êtres. Et pour mieux comprendre cela, nous pouvons convoquer Hegel. Donc, de la définition étymologique, nous aboutissons à la définition philosophique avec Hegel. Que nous dit Hegel ? Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon. Tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence. Il existe d'une part, au même titre que les choses de la nature. Mais d'autre part, il existe aussi pour soi. Il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. Et Hegel le mentionne dans son ouvrage intitulé « Introduction à l'esthétique ». Le professeur n'a pas donc inventé cette citation. Je l'ai prise dans cet ouvrage. L'auteur, c'est Hegel. Et l'ouvrage est intitulé « Introduction à l'esthétique ». Chers apprenants, analysons cette citation de Hegel. Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon. Tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence. Rien qu'au niveau de cette première partie de la citation, Hegel marque un distinguo entre les autres êtres vivants et l'homme. Cette distinction s'explique par la conscience. Les choses de la nature, donc les autres êtres vivants, n'existent qu'immédiatement. Ces choses, donc ces êtres, n'existent pas pour soi, parce qu'ils ne sont pas dotés de la conscience. Et a priori, l'homme semble exister immédiatement, a priori, par rapport à sa dimension biologique. Mais lorsqu'on va dans les profondeurs, on nous dit qu'il a une double existence.
Premièrement, il existe sous le mode phénoménal des choses, premièrement. Mais deuxièmement, Hegel ajoute, il existe aussi pour soi. Exister pour soi. Il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. Que peut-on retenir de cette affirmation hegelienne? Eh bien, si les autres êtres n'existent qu'immédiatement, c'est parce qu'ils sont dépourvus de la dimension mentale. Ce ne sont pas des êtres intelligibles. Par contre, l'homme a une dimension mentale. Premièrement, il existe sous le mode phénoménal ou biologique, mais deuxièmement, ce qui est plus important, il existe en tant que sujet pensant, en tant que je. Doté donc de la conscience, il est doué des différentes facultés mentales que sont la contemplation, la représentation de soi et le fait de penser. C'est Hegel qui nous le dit. Donc, ce qui fait que l'homme soit esprit, c'est parce qu'il est un être mental, c'est-à-dire, il élabore des opérations mentales que sont la contemplation, la représentation de soi c'est-à-dire je prends conscience de mon être, la représentation de soi et le fait de penser. Voilà quelques-unes des propriétés mentales de l'homme. Et ce sont ces propriétés qui font de lui un sujet. Pourquoi sujet? Eh bien, parce qu'il est doué de conscience. Faculté que l'on ne retrouve pas chez les autres être. Voici que nous venons de saisir que la conscience est donc cette faculté qui permet à l'homme d'opérer des opérations mentales en prenant conscience de son être, non seulement de son être, mais aussi des actes qu'il pose. Alors là, la conscience prend un double sens. Le premier sens, c'est le fait d'avoir la perception de son être, je suis. Et le second sens, c'est le fait de percevoir aussi les actes que l'on pose. Ainsi, l'on distingue deux types de conscience. La conscience psychologique et la conscience morale. N'oubliez pas, nous sommes en train de définir la conscience. Nous sommes partis de la définition étymologique en passant par la définition philosophique que nous donne Hegel pour aboutir
à la définition, plutôt, oui, à l'approche psychologique et l'approche morale. Qu'est-ce qu'on entend par conscience psychologique? La conscience psychologique renvoie à l'intuition de l'être de soi. En un mot, c'est la lumière intérieure que l'homme en tant que sujet a de sa personne. Ici, la conscience devient comme un miroir. Je prends un exemple. Lorsque je suis devant mon miroir, après que j'ai pris ma douche, je vais faire ma beauté. Je suis devant mon miroir. Le miroir me renvoie mon image. C'est la même chose que fait la conscience psychologique. Elle me permet d'avoir l'intuition de mon évidence subjective. Et un auteur, donc un philosophe français, a illustré la conscience psychologique. Tout à l'heure, je disais, c'est la lumière de l'univers intérieur de l'homme. Et Alain nous dit ce qui suit. Conscience. C'est le savoir revenant sur lui-même et prenant pour centre la personne humaine elle-même. La personne humaine elle-même. Le fait que je prenne conscience de mon être et que je puisse réaliser que je suis un sujet, donc une personne, il s'agit là de la conscience psychologique. Et jusque-là, nous avons toujours la vue claire de nos états, de ce qui se passe à l'intérieur de notre être. La conscience psychologique. Donc, à la lumière de cette définition que vient nous donner Alain de la conscience psychologique, retenons que la conscience psychologique est la vue claire de l'être de soi. Lorsque je sais, ou lorsque je prends conscience que je suis en train de penser, c'est la conscience psychologique. Lorsque je sais que je prends conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de mon être, c'est la conscience psychologique. Mais qu'en est-il de la conscience morale? Un exemple. Je suis à la maison. C'est un exemple. Je ne le fais pas. C'est un exemple. Voici que je me retrouve dans la cuisine. J'ai faim et je prends un morceau de pain à l'insu de la gouvernante de la maison. Il y avait certainement deux morceaux de pain, j'ai pris un. Il n'en reste qu'un seul. Je n'avertis pas la gouvernante de la maison. Et lorsqu'elle arrive dans la cuisine, elle s'aperçoit qu'un morceau de pain a disparu. Elle peut s'exclamer. Mais il y avait deux morceaux, comment se fait-il qu'il n'en reste qu'un seul? Et là où je suis, je me retrouve. Ah, c'est moi qui ai pris ce morceau-là.
j'ai posé un acte et je reconnais cet acte-là. Qu'est-ce qui me permet de reconnaître cet acte? C'est la conscience morale. Alors, qu'est-ce que la conscience morale? On entend par conscience morale la faculté que l'on a de porter un jugement de valeur sur les actes que l'on pose. Ah, j'ai pris le pain d'autrui. Ah, j'ai mal agi. Je viens de porter un jugement de valeur sur l'acte que j'ai posé. C'est ça, la conscience morale. À ce niveau, la conscience joue le rôle soit d'un juge, soit d'un arbitre. C'est Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage « Émile ou de l'éducation » qui nous le dit. Convoquons donc Jean-Jacques Rousseau. La conscience est le jugement infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu. Attention, chers apprenants. Juge infaillible. Celui qui ne se trompe pas. Donc, la conscience, du point de vue moral, ne se trompe pas. On le dit même. On peut tromper qui que ce soit. On ne peut pas tromper sa propre conscience. Voilà. C'est pour dire, il y a en l'homme cette faculté de faire une balance sur les actes qu'il pose. C'est pour dire que la conscience morale, c'est celle qui nous inspire le respect des lois. C'est celle qui nous inspire la vertu, la bonne conduite. Et Rousseau ajoute qu'il nous rend semblables à Dieu. Or, à l'Église, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu est amour. Prenons simplement amour. Donc, par la conscience morale, nous corrigeons notre conduite. Donc, si toi, cher apprenant, il arrive que tu adoptes une mauvaise conduite à l'égard de tes parents, tout comme de tes frères et de tes proches, sache que la conscience morale t'invite à t'améliorer. Voilà ce que l'on peut retenir de la conscience morale. En d'autres termes, la conscience morale, c'est la faculté éthique dont est doté l'homme. Pourquoi faculté éthique? Eh bien, elle donne à l'homme le pouvoir non seulement de se juger, mais aussi de juger les autres, dans le bon sens bien sûr. Alors, par rapport à la conscience psychologique et la conscience morale, retenons que la conscience a un double sens. Et le sen nous marque cette synthèse. Lorsqu'on parle de synthèse, en un mot, la conscience psychologique et la conscience morale ne s'opposent pas. Le sen nous dit ce qui suit. «
La conscience psychologique. La conscience psychologique répond à la question. Répond à la question. Que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Point d'interrogation. La conscience morale La conscience morale, au contraire, est tout entière lancée vers l'action par la question que faire? Que faire? Le SEN fait cette distinction entre la conscience psychologique et la conscience morale dans son ouvrage intitulé « Traité de morale ». Donc, René Le Sen, traité de morale. Au regard de ce qui vient d'être dit, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la conscience admet quatre définitions. La définition étymologique, la définition philosophique, l'approche psychologique et l'approche morale. Et tout au début, il y a un fait que j'ai mentionné. À partir des explications que je viens de donner, vous devez être capable de donner au moins trois définitions des quatre. De ce fait, je vous donne un sujet de réflexion. Sujet. La conscience
se limite-t-elle à la perception Voilà le sujet de réflexion que je vous propose. Donc, le traitement de ce sujet vous permettra, dans votre argumentation, de faire ressortir les quatre différentes définitions que nous avons données de la conscience. Nous avons fini avec notre enseignement sur la définition de la conscience. Et je vous souhaite un bon travail dans l'analyse de ce sujet.